Volgograd 1972. Été comme hiver, les enfants des écoles russes montent la garde devant la flamme du monument aux morts de la grande bataille de la Volga. Il y a 30 ans, Volgograd s'appelait Stalingrad. Il y a 30 ans, d'autres enfants, allemands ceux-là, souhaitaient un heureux anniversaire à leur Führer. Adolf Hitler a 53 ans. Ses armées triomphantes occupent toute l'Europe. Au cours de l'été 1941, elles ont envahi la Russie et elles sont aux portes de Moscou. Jusqu'à présent, les maréchaux allemands qui ont inventé la guerre éclair n'ont connu que des victoires. Ils sont prêts à repartir à la conquête de l'Afrique, de l'Asie. Pourquoi pas du monde entier? Depuis le début de 1942, Hitler mobilise toutes les forces du Troisième Reich qu'il rameute de tous les coins de l'Europe occupée pour en finir avec la Russie. 5 400 000 soldats allemands. Il oblige ses alliés à lui fournir 800 000 hommes, de gré ou de force. La 8e armée italienne de son ami Mussolini. La 2e armée hongroise de l'amiral Horthy. La 3e et la 4e armée roumaine du régime fasciste d'Antonescu. Dès le printemps, cette immense force de frappe, la plus importante de toute la guerre, soutenue par 3200 chars, 3400 avions et 57 000 canons, se met en place sur le front russe qui va de Leningrad à Sébastopol. Plus de 6 millions d'hommes, 10 fois plus que la grande armée de Napoléon, sont prêts à marcher de nouveau vers l'Est. Mais sur cet interminable front de 3500 km de long, où attaquer? À Moscou, propose l'état-major de la Wehrmacht. Pour des raisons politiques, c'est la capitale. Pour des raisons stratégiques, c'est là que Staline a massé le gros de ses forces. Moscou, qui était l'objectif de la première offensive éclair de juin 1941. Moscou, qui devait être prise en 3 semaines et qui a résisté tout l'hiver. Moscou, qui est devenu le symbole de la lutte à mort entre Hitler et Staline, entre le communisme et le nazisme, entre la Grande Allemagne et la Sainte Russie. C'est à Moscou que Staline attend le nouveau choc. Hitler voit plus loin. Avec l'entrée de l'Amérique dans la bataille, il faut se préparer à une guerre longue. Ses objectifs désormais sont économiques et avant tout, le pétrole du Moyen-Orient. En Afrique, Rommel marche déjà sur le Caire. En Russie, Hitler décide donc d'attaquer au sud, vers le pétrole du Caucase, afin de refermer la tenaille sur toutes les réserves du Moyen-Orient. On prendra Moscou à revers par la suite. La clé de ce vaste plan stratégique, c'est Stalingrad. Le 28 juin 1942, la guerre éclair reprend à l'est. Conformément au plan bleu, 89 divisions, dont 9 blindés, placées sous le commandement du général von Bock, se mettent en branle sur un front de 400 km. Les panzers foncent à travers les champs de blé mûr de l'Ukraine et les vastes steppes des Cosaques du Don, bousculant les défenses soviétiques. Quelques jours, ils franchissent plus de 100 km et font au passage des milliers de prisonniers. Quelle va être la réaction de l'état-major soviétique dont faisait partie Konstantin Parchevski? Il est évident que le commandement soviétique s'attendait à une attaque allemande dans la région de Moscou. Par conséquent, il y a eu certes une certaine surprise. Cependant, les mesures prises rapidement ont permis aux troupes soviétiques
de retarder cette avance ou cette poussée allemande vers Stalingrad. Staline, qui craint surtout pour Moscou, envoie des renforts dans la région de Voronej, la plus proche de la capitale. Là, les blindés du général Golikov barrent la route aux Allemands. Malgré la résistance de Voronej, l'ensemble du front va céder devant les vagues des Stukas. De toute façon, ce n'est pas la route de Moscou qui intéresse les Allemands. C'est la route du sud vers la boucle du Don. Les colonnes de chars y avancent à grandes étapes, sans rencontrer de résistance. Leur objectif est Rostov, la clé du Don, le seul bastion sur le chemin de Stalingrad. Est-ce là que les Russes les attendent? En fait, la garnison de Rostov seule livre un combat d'arrière-garde. Le 28 juillet, la ville est prise. Tout se passe conformément au plan bleu. Pour les Russes, c'est l'été noir, l'été de Kharkov, de Sébastopol, de Rostov, autant de défaites. En un mois, la Wehrmacht a progressé de 300 km. Désormais, la voie est libre. Pourtant, quand les armées de von Bock arrivent sur les rives du Don, l'état-major est inquiet. Où est passé le gros des forces soviétiques? De l'autre côté du fleuve, les longues colonnes de réfugiés fuient vers l'est. Obéissant à son vieil instinct, le peuple russe fait le vide devant l'envahisseur. Ils ont abandonné leurs fermes, leurs villages, leurs villes, leurs usines pour suivre les troupes soviétiques qui battent en retraite en bon ordre. Hitler, toujours impatient, arrive en avion de Berlin. Il a décidé d'installer son quartier général à Vinnytsia, en Ukraine, pour diriger les opérations lui-même. Si la troupe l'accueille triomphalement,
Les généraux redoutent ses interventions. Pourquoi hésiter, s'énerve Hitler. Et il décrète péremptoire, le russe est fini. Il limoge von Bock, prend les choses en main et bouleverse tous les plans de l'état-major. Cette carte allemande montre les phases successives du plan bleu, dont l'objectif général était de prendre Stalingrad avec l'ensemble des forces allemandes avant de se lancer vers le Caucase, une fois ses arrières bien assurées. Hitler refuse d'attendre. Dans sa directive numéro 45 du 23 juillet 1942, il ordonne de tout faire en même temps, à la fois prendre Stalingrad et foncer vers le Caucase tout de suite. Cette décision est violemment critiquée par l'état-major. Comme le rappelle l'ancien chef du bureau des opérations, le général Comte von Kielmansegg. Hitler, il a pensé, comme très souvent, parce que c'était sa nature, de prendre le désir pour la réalité, de voir qu'il veut voir, que voulait voir. Et il dit, l'ennemi est battu, et ça me donne la possibilité d'avancer en direction de Caucase. Et il a décidé, je crois c'était le 23 juillet, et moi-même dans ce temps, j'ai nommé cette décision de tirer avec un fusil contre cinq oiseaux. Sur l'ordre d'Hitler, les armées allemandes se précipitent comme un flot irrésistible vers le Caucase, à travers le pays des Cosaques, du Don paisible, du Kouban rapide et du Terek tumultueux. Mais peu à peu, ils s'enlisent dans les sables des steppes kalmouks et les fières divisions Panzer ressemblent bientôt à des hordes tartares. De cette incursion aux confins du Moyen-Orient, les soldats allemands rapporteront des souvenirs de plantes et d'animaux exotiques. Mais ils n'atteindront jamais Bakou et son pétrole, harcelés par un ennemi insaisissable qu'ils traquent jusque dans les monts du Caucase. Quand les chasseurs alpins, les Alpenjäger, escaladent enfin le sommet du mont Elbrouz pour y planter leur drapeau le 21 août, cette aventure insensée au bout d'un autre monde se termine par un exploit sportif plus que par une victoire stratégique. Pendant que la moitié de son corps d'attaque se perd dans le Caucase, Hitler lance la 6e armée du général Paulus sur son objectif, Stalingrad et la Volga. Stalingrad, qui s'étendait sur 50 km le long de la Volga, le plus grand fleuve d'Europe. Stalingrad, la ville la plus moderne de la jeune nation soviétique. L'ancienne Tsaritsyn, dont le musée rappelait qu'elle avait été défendue en 1919, contre les armées blanches par un jeune révolutionnaire géorgien, Joseph Djougachvili, dit Staline. Et la ville des tsars, Tsaritsyn, était devenue la ville du nouveau maître de l'URSS, Stalingrad. Stalingrad, symbole de l'industrie lourde, où les usines étaient autant de cathédrales dédiées au communisme et qui s'appelait Barricade, Octobre Rouge. Usines géantes comme celle des tracteurs, qui équipaient tous les kolkhozes de l'URSS et qui, depuis le début de la guerre, équipent les divisions blindées de l'armée rouge. C'est ici que Staline a décidé d'arrêter Hitler. Le 30 juillet, il lance le mot d'ordre « plus un pas en arrière ». Et il nomme à la tête du comité de guerre de Stalingrad deux chefs énergiques, un militaire, le général Yeremenko, un politique, Nikita Sergeyevitch Khrouchtchev.
Khrouchtchev transmet aussitôt les consignes de Staline. Soldats soviétiques, une discipline de fer, des nerfs d'acier sont les conditions de notre victoire. Voilà la devise de notre pays. Chaque soldat doit être prêt à mourir de la mort d'un héros. Le général Yeremenko a 39 ans. Il est le bagarreur préféré de Staline. On lui a donné 4 jours pour rassembler les troupes en retraite, organiser la défense du front du Sud-Ouest et entreprendre les fortifications en toute hâte. Le voilà, le gros des forces soviétiques que cherchait partout l'état-major allemand. Il avait reculé pour venir se battre ici. Hitler se trompait. Non, le russe n'était pas fini. Les Allemands ne sont plus loin. La 6e armée du général Paulus a traversé le Don et approche maintenant de Stalingrad. Les forces allemandes se heurtent dans la région de Kalach aux premières lignes de défense des Russes qui tentent désespérément de retarder leur avance. Après de très durs combats entre le Don et la Volga, les Allemands ont pris Kalach et ils ont coupé la ligne de chemin de fer de Moscou. Dans un dernier élan, la 16e division Panzer perce au nord de Stalingrad sur un front de 7 km jusqu'à la Volga. La Volga, fleuve de légende qui fascine depuis des siècles les tribus germaniques. Les Allemands croient qu'ils ont enfin touché au but, comme le croyait un officier arrivé ici avec l'avant-garde de la 16e Panzer, le lieutenant Eberhard von Lebeke. De l'autre côté, la steppe asiatique s'étend jusqu'à l'infini. Chacun est touché de cette image impressionnante. Le sentiment de se trouver aux frontières de l'Europe. Oui, les Allemands ont des raisons de triompher en ce mois d'août 1942. L'Europe, conquise de l'Atlantique à la Volga, Rommel aux portes du Caire et là-bas, de l'autre côté du monde, des alliés japonais qui envahissent le Pacifique. Le sort du monde va se jouer ici, sur les bords de la Volga. Churchill accourt alors à Moscou pour apporter son soutien à Staline. Il est accompagné par le représentant du président Roosevelt, Avril Harriman. Les Russes vont-ils tenir, se demandent les Anglais et les Américains. Quand vont-ils ouvrir leur second front ? Se demande M. Molotov. Churchill, qui a lutté tout seul, lui aussi en 1940, comprend mieux que quiconque l'angoisse des Russes. Mais tout ce qu'il peut leur apporter pour le moment, ce sont de bonnes paroles. Heureusement, il connaît le secret des mots. Whatever our suffering, whatever our toils, we will continue hand in hand, like comrades and brothers, until every vestige of the Nazi regime has been beaten into the ground.
Les Russes espéraient davantage. Quand ils verront aux actualités le vieux lion britannique leur faire le signe V de la victoire, ils croiront que ces deux doigts leur annoncent le second front. Les Anglais et les Américains promettent d'envoyer du matériel, des avions, des jeeps, des camions. Mais Staline sait maintenant qu'à Stalingrad, l'armée rouge supportera seule tout le poids de la machine de guerre nazie. Les Allemands sont maintenant dans les faubourgs de Stalingrad. Hitler a ordonné de prendre la ville avant le 25 août. Il faut faire vite. L'infanterie progresse d'abord à l'abri de ravins profonds, les Balkas creusés par l'érosion et qui entourent la ville. Au début, tout paraît facile, mais bientôt les choses vont se gâter. La guerre est claire et finie. Finie la ruée des chars à travers les plaines. Stalingrad est encerclé, mais Stalingrad se défend. Alors Hitler ordonne qu'on la détruise. Le 23 août 1942, 600 bombardiers de la 4e flotte aérienne du général von Richthofen se relaient pendant toute la journée au-dessus de la ville. Après avoir déchargé leurs bombes, les Junkers et les Heinkel retournent à leur base toute proche et refont le plein. Ils effectuent ainsi 2000 sorties sur Stalingrad. Kilomètres de ruines, 40 000 victimes. Tandis que les derniers civils sont évacués, le général Yeremenko donne pour mission à la 62e et à la 64e armée soviétique de transformer la ville en forteresse. Stalingrad, l'orgueil de l'Union soviétique est en ruine. Soit, chacune de ces ruines deviendra une barricade. Début septembre, le général Paulus lance la 6e armée à l'assaut de la ville. Pour l'état-major allemand, Stalingrad, écrasé par les bombes, doit tomber comme un fruit mûr. C'est incontestablement les 12, 13 et 14 septembre que les combats ont été les plus opiniâtres. Le front allait de Rinok et descendait jusqu'à Koparosnaya. Les combats les plus violents devaient se dérouler sur la colline Mamaïev, dans le quartier de la gare, à la maison Pavlov, à l'usine des tracteurs,
à l'usine Barricade, à l'usine Octobre Rouge. Le 12 septembre, le général Tchouïkov est nommé commandant de la 62e armée. Il a 42 ans. Il déclare « Nous sauverons Stalingrad ou nous mourrons ici ». Il organise aussitôt le transport de renforts à travers le fleuve. Sous le feu des batteries allemandes, la marine rouge de la Volga va assurer la ligne de vie, comme l'appellent les soldats. C'est grâce à elle que le 14 septembre, une division d'élite, la 13e division de la garde du général Roudintsev, débarque au moment où la 62e armée décimée est sur le point de flancher. Une semaine plus tard, la division Roudintsev est encore accrochée au centre de la ville et autour de la gare. Mais il ne lui reste plus que 80 hommes valides. Elle tient grâce à l'appui des canons et des Katyusha qui, de l'autre côté du fleuve, tirent sur les Allemands jour et nuit. Dans cette fournaise où fondent les uns après les autres les régiments de la garde, combien de temps la 62e armée pourra-t-elle tenir? C'est la question que se pose le général Tchouïkov, aujourd'hui maréchal de l'Union soviétique. В центре тоже самое, не все было благополучно, особенно та дуга, острие со стороны противника, острие которой было направлено в центр города, на вокзал и на Мамаев курган. La colline Mamaïev, c'est là que le général Tchouïkov a installé son poste de commandement. Seul promontoire dominant la vallée de la Volga, elle a 102 mètres de haut seulement. Pour ces 102 mètres, on va se battre pendant 2 mois au corps à corps. Fin septembre, les Allemands parviennent au sommet de la colline. De là, ils peuvent contempler toute la ville, la zone industrielle, le centre, la gare. Mais ils devinent déjà qu'il leur faudra conquérir Stalingrad, quartier par quartier. Il leur faudra en effet 2 divisions et 5 jours de combat à l'arme blanche pour prendre la gare centrale, défendue par les derniers soldats de la garde et par les parachutistes du colonel Yelin. Début octobre, le général Paulus attaque la zone industrielle avec 5 divisions, dont 2 blindés. Sous le pilonnage incessant de l'artillerie allemande, les ouvriers de l'usine des tracteurs continuent à travailler jusqu'au dernier moment. Quand les Allemands approchent, les ouvriers se transforment en soldats et, montés sur les chars qu'ils viennent de terminer, ils partent au combat. Le général Paulus jette alors toutes ses réserves dans la bataille, 7 divisions. Dans la zone des cités-jardins, autour des usines Barricade et Octobre Rouge, les panzergrenadiers avancent mètre par mètre.
soldats de la garde du général Gourkiev, ceux du général Joloudev, les Sibériens du général Batiouk, contre-attaquent sans relâche. En 15 jours, ces trois divisions soviétiques ont perdu 75% de leurs effectifs. Les Stuka vont leur donner le coup de grâce. Sur le bord de la Volga, les derniers réservoirs d'essence soviétique explosent, déversant une mer de feu sur l'abri du général Chuikov. Imperturbable, Chuikov continue à donner ses ordres. Fin octobre, les Allemands occupent les derniers ateliers. Soldats et ouvriers soviétiques ont tenu leur serment. Ils n'ont pas reculé. Le général Paulus peut annoncer à Hitler que la 6e armée occupe Stalingrad, à 90%. Que ses troupes ont atteint la Volga, en plein centre de la ville, ayant planté le drapeau à croix gammée. Hitler exulte. Il fait frapper une médaille commémorant la prise de Stalingrad. Il couvre l'Europe d'affiches célébrant sa victoire. Le 9 novembre, à Munich, berceau du nazisme, il prononce un grand discours pour annoncer la bonne nouvelle. Il est plein de morgue et de sarcasme pour l'armée soviétique, qui, à force d'avancer, dit-il, a reculé jusqu'au Caucase. Discours qui obtient plus de succès auprès des hauts dignitaires nazis qu'auprès des soldats de Stalingrad. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. De ces petits points de résistance, comme dit Hitler avec mépris, de ces 10% de la ville que les Russes tiennent encore, les défenseurs de Stalingrad vont faire un nouveau Verdun, au cri de pour la patrie et pour Staline. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de résistance du côté soviétique et tant d'acharnement du côté allemand? On ne peut pas dire que le nom même de la ville a joué un rôle? Naturellement, le fait que la ville portait le nom du maréchal Staline a exalté les soviétiques pour défendre cette ville, mais ce n'est pas l'objectif essentiel du commandement soviétique. Vous voyez sur ce schéma la situation à Stalingrad. Elle vous montre toute la gravité de la situation, les quelques îlots défendus par les soviétiques étaient défendus dans le quartier de Renok par l'unité du colonel Garochov, une portion de l'usine Barricade était défendue par l'unité du colonel Ludnikov, et enfin, au sud, cette portion de terrain qui longeait la colline Mamaïev était défendue par l'unité du colonel Rodintsev. Le PC du général Chuikov se trouvait là, près du fleuve. La ligne de vie ne tient plus qu'à un fil. Sous les obus allemands, les renforts ne peuvent plus traverser la Volga que par petits groupes de 10 ou 20 hommes. C'était ici. Les hommes de Ludnikov se battaient le dos à la Volga, sur une étroite bande de terre, 6 à 700 mètres de long. Toute la Russie l'appelait l'îlot Ludnikov.
les officiers de l'état-major, les blessés, les combattants de cette division fantôme s'entassaient pêle-mêle dans cette maison en ruine. Quand les renforts parvenaient en rampant la nuit dans cet abri, ils posaient tous la même question. Où est l'Allemand ? Oh, loin, très loin, à 120 mètres au moins. Là-bas, au bout du chemin, leur répondait avec son optimisme inébranlable le général Ludnikov. Так ты, говорит, понимаешь, что мы деремся за каждый дом. Mais comprends-nous, nous nous battons pour chaque maison. За каждую комнату в доме. Pour chaque chambre à l'intérieur de la maison. За каждый этаж. Pour chaque étage. Да. За лестничную клетку. Pour l'escalier même. Да. С одной стороны мы, а по ту сторону стенки противник. D'un côté il y a nous et de l'autre côté du mur il peut y avoir l'ennemi. И поэтому мы измеряем на особый метр. C'est pour ça que nous prenons notre mesure par pour un mètre. На наш сталинградский метр. Mais ce mètre c'est notre mètre, le mètre de Сталинград. Это там вот за Волгой. За Волгой там земли очень много и там измеряют на нормальный мер. De l'autre côté de la Volga, il y a beaucoup de terre, alors normalement on compte cette terre dans un mètre normal. Non. А вот как же вы все-таки держитесь на такой малой земле? Mais comment est-ce que vous faites pour pouvoir vous défendre dans cette toute petite terre? Очень просто. C'est très facile. У нас на передней линии проходит железная дорога. Sur nos lignes avancées, il y a un chemin de fer qui passe. И когда фашисты начинают наступать, et quand les nazis commencent à avancer, мы зубами беремся за рельс, nous prenons les rails entre nos dents, ведем огонь, nous tirons, и противник нас не сбросит. Et l'ennemi ne peut pas nous faire reculer. Поэтому мы вот здесь, на этой земле, и обороняем. Et le général Ludnikov conclut, c'est comme ça que nous défendons notre terre. Comme ça. Tireur d'élite, le général Tchouïkov a dit « Chaque soldat allemand doit savoir qu'il est dans la ligne de mire d'un fusil russe. » Jour après jour, nuit après nuit, semaine après semaine, le vacarme, la fumée, la faim, la soif, les camarades qui tombent, qui hurlent, qui meurent, le canon brûlant des arbres, l'angoisse, la haine, l'enfer de Stalingrad. Une patrouille du 42e régiment de fusiliers de la garde mené par le sergent Pavlov et chargé d'occuper une ruine dans le No Man's Land. 150 mètres à parcourir. Mais quels 150 mètres ? Ils sont 23. Dans la maison Pavlov, ils tiendront 58 jours face aux régiments allemands. Ils étaient 23. 11 Russes, 6 Ukrainiens, un Kazakh, un Juif, un Ouzbek, un Tadjik, commandés par le lieutenant Afanassiev, qui aujourd'hui se souvient surtout de ceux qui sont morts. Можно было рассказать и о других: Воронове, Павлове, Глущенко, Александрове, Черноголове, Рамазанове, Бондаренко, Якименко, Тургунове и всех товарищах, которые обороняли, которые, как говорится, стояли на этом маленьком кусочке или маленьком домике. Et tous ceux du moulin numéro 4, ceux de la maison Zabolotsky, ceux de l'îlot Ludnikov, ceux de la colline Mamaïev, tous ceux qui, avant de mourir, écrivaient à leur mère, à leur femme ou à leur fiancé, attends-moi,
recopiant pour elle le poème d'un combattant de Stalingrad qui allait devenir un grand écrivain, Konstantin Simonov. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест. Всем, кто вместе ждет. Il neige aujourd'hui sur les ruines du moulin numéro 4. Il neige sur les immeubles qui ont remplacé la maison Pavlov. Il neige sur Stalingrad, comme il se mit à neiger pour la première fois le 16 novembre 1942. Ce jour-là, la Volga commence à charrier des glaçons. Bientôt, la ligne de vie sera coupée. Bientôt, les munitions seront épuisées. Aussi, le général Rudintsev, comme tous les défenseurs de la ville, se demande ce que peut bien vouloir dire le maréchal Staline quand il annonce à la radio « Bientôt, on dansera aussi dans nos rues ». C'est que Staline a envoyé en secret le général Joukov, l'homme qui a déjà sauvé Leningrad et Moscou, pour tenter de sauver Stalingrad. Продумав контрнаступательную операцию, мы решили доложить верховному главнокомандующему следующий план действий. До конца октября месяца продолжать изматывать немецкие войска нашими активными оборонительными действиями. И второе. Приступить немедленно к подготовке крупной контрнаступательной операции. Le plan de la contre-offensive soviétique est le suivant. Les troupes massées au nord du front, autrement dit, les troupes du front du sud-ouest devait attaquer les troupes ennemies, bousculer les positions défensives et progresser rapidement vers Kalach. De leur côté, les troupes du front de Stalingrad devaient avancer vers Savetskaya, également dans la région de Kalach, pour faire jonction. Toute cette opération devait se faire en 3 jours. Pourquoi avoir choisi précisément ces endroits? Les troupes allemandes se trouvaient concentrées dans Stalingrad et voulaient s'emparer de la ville, tandis que les deux flancs de ce groupement, ils étaient protégés au nord par les troupes roumaines et au sud par une brigade italienne et également des troupes roumaines. Vous pouviez penser qu'ils offriraient une moindre résistance. Certainement. Depuis un mois, dans le plus grand secret, Joukov a massé un formidable corps de bataille. 900 chars sortis des usines de l'Oural se rassemblent de l'autre côté du fleuve. Un million d'hommes, une nouvelle armée. Staline a rétabli les grades et les insignes de l'ancien régime. Il a diminué le rôle des commissaires politiques. Il a fait appel à une nouvelle génération de généraux qui sont des soldats de métier. L'armée rouge est devenue l'armée soviétique. Les divisions, entièrement équipées de neufs, sont acheminées par tout un réseau de pontons et de ferryboats sur le Don et sur la Volga. 13 000 canons sont alignés le long du front par le général Voronov, grand maître de l'artillerie.
Sous la coordination du général Vassilevski, le général Yeremenko commande le front de Stalingrad. Au nord, le front du Don est commandé par le général Rokossovski. L'orage, 19 novembre, 6h30. La surprise est totale. En 24 heures, Rokossovski a mis en déroute la 3e armée roumaine. 37 000 Roumains, hébétés, errant à travers la plaine, se retrouvent prisonniers des Soviétiques. Au sud, Yeremenko a balayé les Italiens, tous ces Piémontais, ces Napolitains, ces Siciliens, égarés dans ces steppes glacées. Le 22 novembre, dans la région de Kalach, les armées du Don et les armées de la Volga font leur jonction. Le pari est gagné. Le cercle s'est refermé sur la 6e armée allemande. 22 divisions, 330 000 hommes sont pris au piège dans une poche de 60 km sur 40 km. Qu'est-ce qu'on attend pour nous sortir d'ici? Se demandent tous les soldats de la 6e armée. Il faut sortir d'ici, conseille au général Paulus tous les officiers de son état-major, avant qu'il soit trop tard. Mais Paulus hésite, et pendant ce temps, les chars russes approchent. La 6e armée représente encore une force redoutable. Elle pourrait briser le cercle russe. Paulus demande à Hitler: laissez-moi décider sur place si je dois tenir ou évacuer. Au même moment se tient une conférence dramatique au quartier général du Führer. L'état-major supplie Hitler de retirer la 6e armée. Mais Göring déclare: avec mes avions, je peux les ravitailler. Alors Hitler envoie à Paulus un Führersbefehl, un ordre du Führer: tenir à tout prix, ravitaillement assuré par air. La Luftwaffe envoie tous les avions disponibles en Russie pour organiser un pont aérien.
La 6e armée a besoin de 600 tonnes de munitions et de ravitaillement par jour. Je vous les garantis, a dit Göring. Très vite, il va falloir déchanter devant le formidable barrage de la DCA russe. Et les pilotes de chasse soviétiques jurent d'interdire aux avions allemands le ciel de Stalingrad, le cœur de la patrie. Родина! Родина! Товарищ Сталин! Товарищ Сталин! Клянемся еще зорче! Клянемся еще зорче! Нести! Нести! Боевую вахту! Боевую вахту! Бдительно охранять! Бдительно охранять! Подступы! Подступы! Сердцу Родины! Сердцу Родины! Клятвенно обещаем! Клятвенно обещаем! Кто не пощадит! Кто не пощадит! Своих сил! Своих сил! Крови! Крови! И самой жизни! Самой жизни! В борьбе с врагом! В борьбе с врагом! Смерть немецким оккупантам! La maîtrise du ciel n'appartient plus à la Luftwaffe, mais au Yak, au MiG, au Stormovik. Malgré les pertes, malgré le froid qui gèle les mains des mécanos et qui immobilise les moteurs, la Luftwaffe essaiera jusqu'au bout de secourir la 6e armée et d'évacuer les blessés. Mais elle ne pourra jamais tenir les promesses de Göring. Privés de ravitaillement, les soldats de Paulus doivent maintenant se contenter de 60 grammes de pain et de 12 grammes de graisse par jour. Les blessés ne peuvent plus être évacués. Dans les infirmeries enterrées au fond des Balkans, les médecins n'ont plus rien pour les soigner. L'un de ces médecins est revenu dans la steppe de Gumrak, où il a passé 4 mois sous terre, le major Werner Arndt. Ce tas de terre devant moi, ce sont les restes de mon bunker sanitaire du temps de Stalingrad. Si l'on pourrait exprimer quelle vision d'enfer nous aurions. Les blessés, les malades, les mourants, les morts, pas de place pour eux dans la terre gelée. On les rangeait dans un trou de bombe pour faire place au nouveau transport de la misère. Et là, en bas, dans l'odeur du sang, des excréments et de l'éther, les dépôts souterrains des hommes, des fantômes demi-vivantes qui respirent encore, mais qui sont déjà demi-meurs. C'est l'ambiance de ces jours. Hitler va alors tenter de sauver la 6e armée par une offensive terrestre. Le maréchal von Manstein, remontant du Caucase, reçoit l'ordre de se porter au secours de Paulus, isolé dans Stalingrad, loin derrière le nouveau front. Mais pour cela, il lui faut percer les lignes soviétiques. Manstein est le meilleur général de la Wehrmacht. Il a baptisé l'opération Wintergewitter, orage d'hiver. Il s'agit de tendre la main à Paulus pour que celui-ci puisse effectuer une sortie quand on lui donnera le mot de code « Donnerschlag », coup de tonnerre.
Le 12 décembre, avec plusieurs centaines de chars, Manstein réussit à ouvrir un couloir à travers les lignes soviétiques. Le 19 décembre, les avant-gardes allemandes parviennent à 38 km de la poste. Manstein écrit « Je peux voir luire le ciel de Stalingrad ». Il n'ira pas plus loin. Les chars de Malinowski lui barrent la route. Pourquoi Paulus ne vient-il pas à sa rencontre? Pourquoi ne tente-t-il pas une percée? Pourquoi laisse-t-il échapper sa chance pour la deuxième fois? Paulus est un indécis. Il hésite encore. Il n'a pas assez d'essence. Il est encombré de 8000 blessés. Ses hommes sont épuisés. Général Paulus, qui n'avait pas une idée très claire concernant la situation à l'autre côté des armées attaquantes, etc., il a dit « Je peux attaquer, oui, mais je crois que je ne peux attaquer plus qu'environ 20 kilomètres. » Et de sa part, c'était, c'est mon opinion personnelle, c'était justifié si vous pensez d'une attaque méthodique. Mais la possibilité, la seule possibilité, n'était pas une attaque méthodique. C'était une chose comme un flot, une marée, ouvrir les écluses d'un grand bassin de l'eau, comme ça. De toute façon, Hitler a déjà décidé. Le 19 décembre, pour la seconde fois, il lui donne l'ordre « tenir à tout prix ». Le nouveau chef d'état-major de la Wehrmacht, le général Zeitzler, charge le colonel Kielmansegg de transmettre cet ordre à la 6e armée. Et Zeitzler m'a donné ce papier, personnellement, et m'a dit « je vous donne l'ordre de faire toutes les choses, même les choses techniques ». Vous-même, pas les soldats, etc. Et après avoir mis cet ordre à la 6e armée, vous détruisez ce papier personnellement. Pourquoi? Je veux qu'il sera absolument clair devant l'histoire que cet ordre n'est pas donné par l'état-major. C'est le début d'un divorce entre Hitler et certains officiers allemands, ceux du complot du 20 juillet 1944. Mais le 19 décembre 1942, la Wehrmacht obéit. Le jour même, l'un des rares Junkers 52 qui ravitaille encore la poche réussit à forcer le blocus. Dans ces sacs, les assiégés espéraient trouver des colis de Noël. Cette capsule, c'était la capsule qui contenait l'ordre de tenir Stalingrad. Le soir même, toutes les unités sont averties, comme c'était déjà le cas en novembre. La sortie est interdite. L'ordre d'Hitler, tenir Stalingrad. Nous sommes déçus. Pour la deuxième fois, cette décision insensée de rester dans le chaudron, cet ordre coupant tout espoir, mon commandant m'a dit, c'était la capsule qui contenait cet ordre. Il valait peut-être mieux la détruire, dis-je. Et qu'a dit votre commandant? Ah, mon commandant m'a dit, de toute façon, tout est perdu. Paulus, lui aussi, sait que tout est perdu. Alors, désobéir au Führer? Non, ce serait trop grave. Il n'ose pas. Le sort en est jeté. La 6e armée sera sacrifiée à l'orgueil d'Hitler. Pourtant, elle n'attendait qu'un mot de son chef. Un de ses officiers, le colonel Herbert Zelle,
a rencontré le général Paulus au soir de cette dramatique décision. Le général me demandait « Qu'est-ce que vous disiez maintenant, colonel ?» Et je lui répondais « Mon général, vous n'auriez pas dû obéir. Vous auriez dû déclarer à Hitler « Je conduis la bataille avec mon armée. Ma tête appartient à mon armée. Après la bataille, c'est à vous. » Le général mettait sa main à mon épaule et dit « je sais, colonel, l'histoire de guerre a déjà porté son jugement sur moi. » Janvier 1943, moins 25 degrés. 5 janvier, moins 30 degrés. Pourquoi les Russes n'attaquent-ils pas? Dans nos radios, tous les 7 secondes, une voix monotone fit entendre. Tous les 7 secondes, meurt un soldat allemand en Russie. Stalingrad, Massengrab, c'est-à-dire Stalingrad, fosse commune. Et pendant tous les 7 secondes, le tic-tac d'une montre lointaine. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Puis, de nouveau, la voix. Tous les 7 secondes, meurt un soldat allemand en Russie. Stalingrad, Massengrab. C'est-à-dire Stalingrad, fosse commune. Les armées de Rokossovski sont chargées de liquider la poche. Elles sont en place, prêtes à donner l'assaut. Mais Rokossovski et son état-major pensent qu'il y a peut-être une autre solution, puisque de toute façon, sur la carte, la partie est jouée d'avance. Обсуждали, что раньше практиковалась такая в средние века, да и попозже, предъявление ультиматума противнику о сдаче. Зачем, мол, кровь проливать? Все равно вашему положение ясное, обреченное. Наше предложение, ставке понравилось. Ну, после обработки текста, работали мы все там, предложила ставка нам представить туда текст. Маленькая поправочка одна была, в общем, хорошо мы составили, оказывается. Ультиматум был составлен, теперь решено было, как вручить. C'est avec le rituel traditionnel que le 8 janvier, Rokossovski fait remettre son ultimatum. Aux officiers, sous-officiers et soldats allemands qui capituleront, écrit-il, nous garantissons la vie et la sécurité, et après la guerre, le retour en Allemagne ou dans le pays de leur choix. Sinon, les forces allemandes encerclées seront anéanties. Une fois de plus, Hitler envoie un message radio « Défense de capituler ». L'ultimatum est rejeté. Le 10 janvier à 7h55 du matin, 7000 canons soviétiques donnent le signal de l'attaque. Adonne ! Adonne !
Les Allemands écrasés refluent vers la Volga. La 6e armée n'est plus qu'une armée en déroute qui fuit vers l'Est. Un seul et dernier refuge, les ruines de Stalingrad, où le 17 janvier, 7 armées soviétiques leur donnent l'assaut final. Pourtant, dans les décombres, les Russes doivent reconquérir, ruine après ruine, cave après cave. Les combats durent 15 jours. Il faut reprendre la colline Mamaïev. Il faut reprendre la gare. Pour reprendre les usines barricades, Octobre Rouge. Il faut reprendre l'usine des tracteurs. Il faut reprendre le centre de la ville. Le drapeau rouge flotte enfin dans Stalingrad libéré. En fouillant les caves de ce grand magasin, l'Univers Mag, les soldats de la 64e armée découvrent par hasard Paulus et son état-major. Ils préviennent aussitôt leur chef, le général Shumilov. Dans cette maison, Paulus был. Paulus a été capturé à 6 heures du matin, le 31 janvier. Après cela, nous l'avons emmené à l'état-major de l'armée. Et ici, j'ai fait le premier opros. Et c'est là que j'ai fait le premier interrogatoire. La veille, Paulus avait été fait maréchal. Hitler voulait-il récompenser un soldat sacrifié, ou pensait-il l'inciter à mourir les armes à la main? Il n'avait pas prévu, en tout cas, qu'il en faisait ainsi le premier maréchal allemand prisonnier. Quand Paulus arrive devant le général Shumilov, celui-ci d'abord n'en croit pas ses yeux. Le Feldmarschall Paulus
est alors obligé d'exhiber son livret militaire comme un vulgaire Feldwebel. Avec lui, sont capturés tous les membres de son état-major et 2500 officiers, dont 24 généraux. Aristocrates prussiens arrogants, soldats de métier blanchis sous le harnais, jeunes loups du nazisme triomphant. Pour la première fois, l'orgueilleuse Wehrmacht connaît le goût amer de la défaite et de l'humiliation. Le 2 février, les derniers soldats allemands retranchés dans les usines rendent les armes. C'était ici, dans les ruines de l'usine Octobre Rouge. Parmi eux se trouvait le médecin-major Arndt. Nous sortons par l'escalier. Au haut de l'escalier, un officier de nous, un officier allemand, il fait la geste de se tirer d'un coup de feu dans la tête. Je frappe sur son main et le coup de feu se perd en air. Nous nous rassemblons dans la neige. Nous jetons nos dernières armes dans la neige. Notre soldat, il sort comme des spectres, leurs trous sous terre autour de nous. Une grande silence, sans aucune geste, seulement parfois de larmes dans les yeux. Nous marchons en captivité. ...91 000 prisonniers, 200 000 morts. À Berlin, Hitler décrète 3 jours de deuil national. À Paris, à Varsovie, dans toute l'Europe occupée, à Londres, à New York, à Moscou, on sait maintenant que l'Allemagne nazie n'est plus invincible. On sait que la victoire est possible. Le Troisième Reich est blessé à mort. À Stalingrad, Rokossovski, Yeremenko, Tchouïkov, Khrouchtchev, tous les généraux victorieux, tous les soldats comprennent enfin la prédiction de Staline. Bientôt, on dansera aussi dans nos rues. Trente ans plus tard, sur la colline Mamaïev s'élève aujourd'hui un monument à la mesure du sacrifice des défenseurs de Stalingrad, gigantesque. Sur les murs, la liste interminable de ceux qui sont morts. Personne n'a pu les compter.
Jamais le gouvernement soviétique n'a voulu en donner le nombre. Toute l'année, au son de cette musique, la foule soviétique y défile, fière de l'héroïsme de ses fils et atterrée par le prix de cette guerre. Une guerre qu'ils n'oublieront jamais.